Bonjour à tous. C'est Alexis Rastier pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet en paléobiologie qui est assez peu exploré. Il s'agit des débuts des ptérosaures au Trias. Tout le monde connaît les ptérosaures, ces fameux reptiles volants qui ont régné dans les airs pendant 155 millions d'années. Avant de parler de l'histoire des ptérosaures, je vais d'abord vous expliquer ce qu'est un ptérosaure. C'est un peu l'étape primordiale de cette vidéo. Les ptérosaures étaient des reptiles volants, parfaitement adaptés au vol battu et plané. Eh bien, les ptérosaures appartenaient au clade des diapsides sauropsides, mais plus précisément au clade des archosauria, Composés, je le rappelle, des dinosaures aviens et non aviens, des aétosaures, des crocodiliens, des crocodiliformes, des roisuchiens et des ptérosaures. Les ptérosaures descendent probablement des prolacertiformes, comme le qui vécut dans les milieux arboricoles au Permien. Ce n'est qu'une théorie parmi tant d'autres sur l'origine des ptérosaures. Il est aussi tout à fait probable que les ptérosaures aient pour ancêtre les reptiles avicéphales, comme Longiscema ou Cellurosoravus, des reptiles diapsides avicéphales qui vécurent au Permien. Il est bien loin le temps où les ptérosaures étaient encore considérés comme des reptiles lents, pas très actifs et à sang-froid. Les dernières découvertes paléontologiques nous apprennent plus sur les ptérosaures, et l'une des grandes découvertes. C'est bien sûr que les ptérosaures étaient des reptiles volants endothermes, homéothermes ou à sang chaud. L'anatomie des ptérosaures était quasiment parfaite pour le vol, c'est le moins qu'on puisse dire. Ils étaient caractérisés par un corps minuscule, de longues ailes supportées par quatre doigts, dont le quatrième doigt était hypertrophié, permettant de supporter la longue membrane de peau fine et rigide qui leur permettait de voler, un crâne massif, plus grand d'ailleurs que leur propre corps, enfin des os creux et la présence de cinq aériens à l'intérieur de leur organisme leur permettait d'être le plus léger possible. A mon avis, ça devait être un sérieux avantage pour leur permettre de voler. L'ordre des ptérosaures était composé de deux sous-ordres, les ptérodactyloïdés et les renforincoïdés. Mais attention! Au cours de cette vidéo ne seront abordés que les renforincoïdés, qui furent les premiers ptérosaures. Ils vécurent de moins 220 à moins 66 millions d'années avant notre ère, au cours du Mésozoïque. Tout comme les reptiles marins, les dinosaures non aviens, les ammonites, les bélémnites et bien d'autres types d'organismes, ils s'éteignirent lors de l'extinction massive du Crétacé-Paléocène. Les ptérosaures font leur apparition il y a entre 230 et 220 millions d'années avant notre ère, durant le Carnien au Trias supérieur. À cette époque, les ptérosaures étaient de petite taille et ils étaient plutôt rares. Ces ptérosaures dont je viens de parler sont des renforincoïdés, caractérisés par la présence d'une longue queue, de mâchoires dentées, d'une petite taille et relativement anciens. Ce sont donc des ptérosaures primitifs. Les premiers ptérosaures furent les premiers vertébrés volants à vol battu. Ils vécurent dans les canopées de forêts de conifères luxuriantes au Trias supérieur. Quoi Mais, mais, je pensais que c'était les oiseaux qui avaient volé les premiers Ah, mais je comprends plus rien La réponse, tout de suite. Au Trias, les oiseaux n'existaient pas encore. Ils n'apparaîtront qu'au cours du Jurassique supérieur, il y a environ 160 millions d'années, avec Aurornis Xoui, l'un des premiers oiseaux à avoir existé. Dans la canopée des vastes forêts tropicales du Trias supérieur, les ptérosaures cohabitaient avec d'innombrables espèces d'insectes volants, de reptiles volants comme certains ébicéphales, qui d'ailleurs participaient au régime alimentaire de ces derniers. L'une des premières familles de ptérosaures à avoir fait son apparition était les Eudimorphodontidés, du genre Eudimorphodon. Eudimorphodon, genre type de la famille des Eudimorphodontidés, fut découvert en Italie, en Luxembourg, en Autriche et au Texas. La large répartition géographique d'Eudimorphodon démontre bien que la Pangée a eu de grandes conséquences sur le développement des ptérosaures au cours du Trias. Eudimorphodon est à ce jour le plus vieux représentant connu de l'ordre des Pterosauria. Il vécut entre 220 et 230 millions d'années avant notre ère. Le Dimorphodon est caractérisé par la présence d'une longue queue comme tous les Ramphorincoïdés. Mais aussi une petite taille d'environ 1 à 2 mètres d'envergure, la présence d'une fine membrane de peau qui rattache la queue aux pattes postérieures et qui se réduira par la suite au cours de l'évolution, et enfin une paire de mâchoires extrêmement puissantes pourvues de dents coniques caractérisant un régime alimentaire. piscivore. Bravo Mais tais-toi tout de suite. Mais pour... Le dimorphodon vivait donc dans de vastes forêts luxuriantes et humides où il se nourrissait d'insectes mais aussi de poissons. Draco était un petit ptérosaure triasique d'environ 1 à 2 mètres d'envergure qui vécut en Autriche il y a environ entre 205 et 215 millions d'années. Ce ptérosaure appartenait à la famille très récemment décrite des Ostriadraconidae. Ce ptérosaure avait un régime alimentaire piscivore, il était aussi très proche morphologiquement de l'Eudimorphodon, qui vécut d'ailleurs à la même période, c'est-à-dire au norien. Plus précisément entre 215 et 205 millions d'années avant notre ère. Ostria Draco fut découvert en 1994 et décrit en 2003 comme une toute nouvelle espèce de ptérosaure appartenant au genre Eudimorphodon. Jusque-là, rien de spécial. Mais en 2015, notre cher ptérosaure fut donc redécrit en 2015 et considéré comme une toute nouvelle espèce non apparentée au genre Eudimorphodon. Pourquoi me diriez-vous Eh bien, tout simplement parce que Australacaudelvetschai possédait des caractéristiques anatomiques et morphologiques uniques par rapport aux autres ptérosaures. L'une de ces caractéristiques anatomiques uniques était la présence d'une fenestra à l'intérieur des mandibules de notre cher ptérosaure. Ces mandibules étaient donc pourvues de fenestra, donc ce sont des trous qui étaient présents dans les crânes et ossements animales, y compris l'homme. Ces fenestras étaient donc fermées par un os mystérieux qui n'est identifié chez aucun ptérosaure. Et c'est celui-ci, c'est cette caractéristique qui détermina l'appartenance phylogénétique de ce ptérosaure. Ostreadraco de Levicei fut donc rattaché à un nouveau genre, le genre Ostreadraco. Ce nouveau genre fut donc lui aussi rattaché à une nouvelle famille, la famille des Ostreadraconidae. au cours de la vidéo je vous avais rappelé que les premiers ptérosaures qui vécurent au norien et au carnien étaient généralement de petite taille très peu diversifiés et plutôt rares eh bien cela va bien changer au cours des dix derniers millions d'années au trias supérieur tardif au cours des dix derniers millions d'années qui ont suivi au trias les ptérosaures se sont brusquement développés en d'innombrables genres et de nouvelles familles ont finalement fait leur apparition. Cette forme de radiation évolutive qui s'est produite au cours du Trias tardif chez les ptérosaures amphorincoïdés va voir l'apparition d'innombrables genres comme Archidactylus ou Austriadactylus qui sont néanmoins très connus pour s'être développés à partir de cette période triasique. Au cours de cette période triasique, nous allons nous intéresser à une famille de ptérosaures plus que particulière et relativement connue. Il s'agit des Dimorphodontidés. Les Dimorphodontidés font leur apparition entre moins 220 et moins 210 millions d'années au cours du Norien au Trias supérieur. Cette famille de pterosaures Ramphorynchoidés va exister du Trias supérieur au Jurassique supérieur, faisant des dimorphodontidés la famille de pterosaures ayant existé le plus longtemps. Les Dimorphodontidés vont finalement exister pendant 68 millions d'années, ce qui est plutôt impressionnant pour une simple famille de Ramphorynchoidés. Cette famille de pterosaures primitifs comportait deux genres les péténosaures et les dimorphodons. Péténosaurus est l'un des ptérosaures les plus bassaux et les plus anciens. Il était d'ailleurs contemporain de dimorphodon. Le péténosaurus mesurait environ 60 cm d'envergure, ce qui faisait de ce ptérosaure l'un des plus petits qui ait existé. Le genre Ptenosaurus vécut au cours du Nordien, entre moins 221 et moins 210 millions d'années. L'espèce Ptenosaurus zambei fut découverte en Italie, puis décrite en 1973 comme l'une des espèces de ptérosaures les plus basses de tous les temps. L'espèce Ptenosaurus zambei était exclusivement insectivore, et il s'est éteint il y a environ 210 millions d'années, probablement pour cause de concurrence avec d'autres espèces de ptérosaures. Le genre Dimorphodon était composé de deux espèces. L'espèce Dimorphodon macronyx et l'espèce Dimorphodon wentaobi. Les Dimorphodons étaient bien différents de leurs cousins primitifs, les Pétenosaurus. Les Dimorphodons mesuraient environ 2 mètres d'envergure et ils étaient caractérisés par la présence d'un crâne surdimensionné qui avait beaucoup de ressemblances avec ceux des Macareux d'aujourd'hui. C'est d'ailleurs pour cela que l'une des deux espèces de Dimorphodon est nommée Dimorphodon macronyx alias Macareux. Le crâne surdimensionné des Dimorphodons est caractéristique des renforincoïdés avancés dont il en fait partie mais aussi des Pterodactyloïdes. Au cours du Jurassique inférieur, d'autres ptérosaures comme Darwinopterus développeront ces mêmes caractéristiques. Le dimorphodon macronyx, vécu au cours du trias supérieur tardif, entre 210 et 190 millions d'années avant notre ère. Les dimorphodons étaient piscivores, mais il est tout à fait probable qu'ils complétaient leur alimentation par de petites proies. En vue de la taille de leur crâne, ils devaient probablement aussi être capables de se nourrir de petits reptiles. Enfin, c'est l'un des premiers ptérosaures découverts. Il fut exhumé en 1859 par le paléontologue très célèbre, Richard Owen. Les premiers ptérosaures ont pris leur envol dans un environnement plutôt stable, ce qui a facilité leur rapide développement. Les débuts des ptérosaures furent difficiles, avec un vol peu équilibré et très peu adapté à leur environnement. Mais ils se sont développés et ont donné naissance à une grande variété d'espèces, dont seulement quelques-unes ont été mentionnées lors de cette vidéo. Leur morphologie connut ensuite de grands changements, comme le rétrécissement de la queue ou l'agrandissement du crâne, qui leur permit, par la suite, de mieux se déplacer sur la terre ferme, mais aussi d'avoir un régime alimentaire plus varié. Ce qui est sûr, c'est que, comme pour les dinosaures ou encore les mammifères, le trias fut une période décisive pour le développement des ptérosaures dans les airs. Finalement, l'extinction massive du trias jurassique aura permis aux ptérosaures de connaître une nouvelle et grande radiation évolutive, qui donnera naissance au cours du jurassique, ou majestueux Stueux, et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si tel est le cas, abonnez-vous, partagez la vidéo et commentez-la, ça me ferait vraiment très plaisir. Enfin, avant de vous quitter, je vous conseille l'excellente chaîne YouTube de Midas 600, abonnez-vous, commentez ces vidéos, allez les voir en tout cas, ce n'est absolument pas du temps perdu. Dans tous les cas, on se retrouve dans le prochain épisode Rastier Mesozoïque dans deux semaines et dans une semaine pour le premier épisode de l'anecdote paléontologique. Allez, salut à tous et à bientôt